Bon, chez vous, madame, monsieur, et bon début de week-end. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour ce dernier numéro donc qui va clôturer la semaine. Alors, nous allons prendre aujourd'hui au menu de cette belle journée, de cette matinée, on va dire, pluvieuse, les informations de la route, emploi, tension du marché, découverte, les savez-vous. Après quoi, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Pour nous réchauffer le cœur dans ce temps très cher, voici une petite citation qui, j'espère, va nous inspirer. La citation dit ceci: le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. C'est une citation de Saint Augustin. Alors, il voudrait nous faire comprendre qu'en réalité, le bonheur, c'est un peu comme s'inscrire dans une ligne de, on va dire, contentement. Le bonheur, c'est continuer d'apprécier ce que l'on a déjà. Le bonheur, au-delà d'être dans cette... Il voudrait nous faire comprendre que souvent on est tellement dans la quête permanente des nouvelles choses, on est tellement dans la quête permanente des nouvelles possibilités que finalement on ne sait plus être heureux, on ne sait plus jouir, on ne sait plus profiter du moment présent. Il y a peut-être X ou Y choses que tu voudrais avoir, que tu n'as pas encore, mais tu as quand même quelque chose. Est-ce que tu sais en prendre soin? Est-ce que tu sais profiter de ce que tu as déjà au lieu de continuer à garder tellement d'être tout le temps pensif, d'être tout le temps à la quête de ces autres choses que tu n'as pas encore? Apprécie le moment présent. Apprécie ce que tu peux déjà t'offrir aujourd'hui. Apprécie ce que tu as déjà maintenant. Apprécie ces petites choses comme ça qui te rapprochent un tout petit peu chaque jour de la réalisation de tes rêves, de la réalisation de tes visions. Ce matin, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un: le bonheur, c'est maintenant. Le bonheur, c'est le contentement. Le bonheur, c'est l'appréciation des choses, des possibilités que nous avons aujourd'hui. C'est de ne pas avoir tout le temps le regard tourné vers le futur, mais c'est d'avoir aussi quelquefois le regard sur le présent et enjoy, profiter tout simplement. Alors, vous êtes sur le point de sortir, vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix. Shima Bolumbu est là justement, malgré la pluie, malgré les embouteillages. Donc certainement, elle a des informations en or pour vous, si elle a pu arriver. Vous aussi, vous pourrez arriver d'où vous allez. Les informations de la route, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour prendre les informations de la route avec Gemma Bolombo. Bonjour Gemma. Bonjour Esther. Comment tu vas? Oui, ça va. Ça va très bien. Je sens que je suis comme toi. La voix est un peu cassée. La voix un peu cassée. Maintenant, dis-moi, toi, tu as fait quoi? Tu étais allé quelque part? Non. Tu étais dans le bruit? Non, non. Et puis, quel genre de bruit? Avec qui? Je suis grippée. Tu es grippée? Oui. Ah bon? Hein? Ok. Mais quel genre de bruit, toi, tu voulais que je... C'était même pas un week-end. Non, ça peut être comment on appelle ça? Un bruit festif. AR. Un bruit. Jacques pourrait dire AR. Ou AR? Non. AR. Je sens qu'aujourd'hui, j'ai mis de la presse officielle. Mmh. Revient en force. Mmh, c'est tout moi. Non, mais toi, tu es un peu narcissique. Non, mais... Mais c'est quoi le problème? Non, mais ça, c'est un autre niveau. Je t'invite à faire pareil. Faut m'offrir le polo, là. Okay. Comme ça, je vais porter. Bon, l'année prochaine... même époque. Ok, l'année prochaine, la même époque. C'est quoi? Décembre, ok. Bon, avant décembre, tu l'auras. Ok, merci beaucoup. D'accord. Aujourd'hui, n'a pas une donation en public, donc j'ai intérêt. Tu as intérêt, comme tu as dit, tu as intérêt vraiment. Ok. Pour mon anniversaire, mon gars. Ouais, t'inquiète. Alors, ce matin, dans InfoRoute, nous étions sur le riz de Kinshasa pour échanger avec le chauffeur en ce qui concerne la nouvelle grille tarifaire des produits pétroliers. Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après. Après la pluie, il n'y a pas le beau temps, mais après la pluie, il y a le déluge. Il y a le déluge.
la technique avec ces aléas, vous pouvez les constater carrément. Madame la pluie aussi, depuis un moment donné, qui a signé son grand retour, et certaines grandes artères de la ville province de Kinshasa sont vraiment dans un état piteux, si on doit les dire ainsi, où nous constatons des caniveaux bouchés, les routes dans des états de délabrement avancés, et c'est ce qui occasionne ce que vous venez tout justement de voir. Gemma Bolombo, on parle de caniveaux bouchés, mais à un moment, je crois qu'il y avait un projet qui avait été lancé au niveau justement des bourgoumesses. Les bourgoumesses avaient reçu un financement pour curer les caniveaux. Où est-ce qu'on en est? Bon, on va dire en termes de curage des caniveaux, et comment il y a commune à commune, ou même voir les initiatives de jeunes avec différents ONG. Parce que au moins, à moi, samedi, bah, jeune mort, bah, sarani, balati, pour l'hôtel, bah, bando, qui remet dans l'effectivité. Il y a au moins, a vraiment que chaque commune, un bourgmestre qui est là en train de prôner que. Fait la chose. Bah, oui. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Mais nous pensons que d'ici là, et qu'au Salima, parce que de mon côté, j'ai eu à voir au niveau de Bonhomme, dans la commune de Matete, quand même, bah, qu'à niveau, mais il y a un quartier. Mais bah, où ils ont vraiment la balabala, la rue, la grande artère, où ils ont que maï, ils ont la canalisé, enfin que maï est tombé dans la délai, dans ma cadam, pour véhiculer les cas d'une manière aisée, pas encore. Merci beaucoup, Gemma. Je vous en prie. En tout cas, nous demandons aux autorités du pays de se pencher sur la question. C'est compliqué, hein. Ici, en RDC, il pleut quelquefois abondamment. Alors, il faudrait éviter quand même certains risques. Il faudrait préserver, prévenir justement pour préserver la population. Vous êtes à la recherche d'une source de revenus. Vous posez la question de savoir où vous pouvez trouver de l'emploi sûr, de l'emploi, on va dire, qui correspond à vos compétences et à vos aptitudes. Emploi, c'est tout de suite. Alors, nous allons prendre quelques informations sur l'offre d'emploi disponible et puis nous retrouver juste après sur ce plateau. Suivez. Equity BCDC recrute un médecin en charge de la clinique AFIA. Profil, diplôme en licence reconnu des médecins. MBA ou MPH présente un avantage supplémentaire. Les médecins âgés de 35 ans sont encouragés à postuler au moins 3 ans d'expérience en tant que médecin, au moins 1 an d'expérience en tant que médecin responsable d'une structure sanitaire privée très fréquentée serait un atout. La maîtrise du français, à l'oral comme à l'écrit, est obligatoire. Votre candidature est à adresser au responsable du département des ressources humaines d'Equity BCDC SA et doit être envoyé à l'adresse électronique suivante recruitment@equitybcdc.cd au plus tard le 14 décembre 2022. Vous êtes prié de reprendre un objet de votre mail, l'intitulé du poste pour lequel vous postulez. Les dossiers de candidature doivent comprendre uniquement une lettre de motivation et un CV détaillé en français. Vous l'avez suivi, Equity BCDC recrute un médecin. L'offre d'emploi est disponible. J'espère que vous avez noté les nécessaires, tous les détails possibles afin de soumettre votre candidature. S'il y a encore des zones d'ombre, écrivez-nous au numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran et ça nous fera énormément plaisir de réagir afin de vous donner les détails que vous avez manqués. La pyramide des Maslow place des besoins physiologiques tels que boire ou manger à la base de la pyramide de besoins. Qu'en est-il de la RDC? Tension du marché, c'est tout de suite. Après l'emploi, prenons la tension du marché avec Gemma Bolombo. Bonjour Gemma, bonjour. Bonjour Esther. Ça va? T'abuses. Bon, ça va quand même. On va te trouver du thé chaud, c'est ça? Oui, Jacques va s'en occuper. Oh, c'est comme si j'entrevois, hein? Je sous-entends par là que tu reconnais enfin sa galanterie. Je t'ai dit hier, j'ai été témoin de cela. Il a porté mon sachet depuis qu'il marchait jusqu'ici.
Donc, Jacques Sédouard, il y a des miracles. Il ne gagne pas. Il y a des miracles. Je te dis, des miracles. Non, si tu crois, tu verras. J'ai juste cru et j'ai vu. Zéma Molumbu, tension du marché, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, ce matin, dans tension du marché, il y a plusieurs constats. Mais en français, on va dire que ce sont des lamentations qui fusent de partout. Il s'observe beaucoup d'encre et de salive en ce qui concerne la quantité de produits ou même des aliments made in DRC. Suivez cet élément en ce qui concerne la quantité de chikwang. Ponanini, kwama et koma ma kase bele et kwama mouki na kati. Puis nous reviendrons tout juste après. Alors, c'était là le marché des Gambela. Vous venez de constater que vous avez maman expliqué pourquoi à ces jours, quoi vous avez déclaré quantité de l'économie. Et comment ça, vous avez dit que vous avez belé belé na kati, mais quoi vous avez longati. Elles ont clairement expliqué comment est-ce que quoi avez dit que vous avez des difficultés, vous avez dit si à ces jours, vous avez dit que vous constaterez que quoi avez dit que vous avez dit que vous avez
Merci beaucoup. Je t'en prie, Esther. Alors, le cri d'alarme est lancé. Nous demandons vraiment aux autorités de se pencher sur la question. Si à tous les niveaux, on crie danger, si à tous les niveaux, on crie problème, on crie difficulté, c'est quand même complexe avec les fêtes qui approchent. Nous demandons vraiment aux autorités du pays de trouver une solution rapidement pour permettre quand même à tous hein, de se réjouir et de passer des bonnes festivités. Voilà. Il y a des parcours qui restent dans l'ombre jusqu'à recevoir le coup de projecteur. Il y a aussi comme ça des choses, des détails qui restent dans l'ombre jusqu'à être révélés. Découverte, c'est tout de suite. Découvrons avec Maria Maba. Bonjour Maria. Bonjour Esther. Comment tu vas? Très bien, toi? Très très bien aussi, merci. Comme Jacqueline le dit parfois, mais t'es très belle au naturel en fait. Merci. Oh mon Dieu. J'allais dire oh. 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 J'ai cité le nom de quelqu'un. Ah non. Mais je me suis retenue. Merci. Sinon, on va quitter les groupes armés. Merci. Très bonne résolution d'ailleurs. Alors Maria Maba, aujourd'hui dans Découverte. Alors, très bon début de semaine, très bon début de week-end, pardon à tous. Alors, ce matin, nous nous rendons dans la province de Lomami pour découvrir la ville de Mweneditu. Regardez. Mweneditu est une ville de la province de Lomami, sur la RN numéro 1, à 216 km du sud-ouest de Kabinda, chef-lieu de la province. Elle a acquis le statut officiel de ville en 2003, en même temps que Tchikapa. L'ordonnance portant nomination de ville a été promulguée par l'ancien président du Zaïre, Mobutu. Elle compte 2 députés et est dirigée par la maire Fideli Kabinda Mutonji et elle a compté 195 622 habitants en 2011. La ville est constituée de 3 communes urbaines, dont Bondoi, Moussadi et Mweneditu, qui a compté moins de 80 000 électeurs en 2018. La ville a largement grandi en 92 avec l'arrivée des Kasaïens expulsés du Katanga. Elle est parmi les 9 villes socio-économiques de la RDC qui sont Baraka, Bandundu, Beni, Boma, Butembo, Likasi, Mweneditu, Uvira et Zongo. L'université de Mweneditu est créée en 2011. Le Tchiluba est la langue nationale la plus parlée. Alors voilà, nous avons beaucoup de villes ici en RDC. D'ailleurs, les festivités approchent. Peut-être l'Okende Mwanda et tout, c'est bien, mais il faudra aussi découvrir d'autres villes comme Mweneditu. Merci beaucoup, Maria Maba. Je t'en prie. Tu avais un peu visité, mais l'autre côté, là, hein? De père et de mère. Mais un mélange compliqué quand même. Oui. Parce qu'en même temps, je suis Mulouba. Et ma maman est mon gars là, donc c'est compliqué. Ma reste congolais. Ouais. Exact. Merci beaucoup, Maria Maba. Alors, bana betuwa mukasa ye moyo wani. Et d'ailleurs pour bien faire les choses là-bas, il faut soit oyebi tchiluba bien, peut-être autant bon la monta oyebi tchiluba bien, parce que c'est la langue la plus parlée là-bas. Ok, Tchiluba. Bon, moi je parle quand même du Tchiluba. Okay. Tu as senti l'accent? J'ai senti. À sentir. Alors, c'était la découverte de Mweneditu. Voilà, on vous le propose comme un lieu pour vos vacances, pour aller explorer, découvrir. J'espère que vous allez trouver des très bonnes choses. Vous allez peut-être nous envoyer aussi des photos, un feedback. Ça nous fera énormément plaisir de le lire et de savoir ce qu'il en était. Alors, il y a des mots comme ça que l'on emploie souvent ou qu'on n'emploie pas du tout. Il y a des mots qui évoquent certains souvenirs. Il y a des mots qui sont quand même assez complexes. On fait le débrief de certains mots ou des phrases avec Jacques Mouniené.
De retour sur ce plateau pour prendre les savez-vous avec Jacques Mounemi. Alors, bonjour. Esther Pinda. Comment tu vas? Très bien. Hier, j'ai manqué l'occasion de vous souhaiter meilleurs vœux. Merci beaucoup. Meilleurs vœux, Mabolingo. Meilleurs vœux, Mariamaba. Voilà, merci madame. Moi, je n'aime pas dire qu'on s'approche, on approche vers le fait, le mois est déjà festif. Moi, je commence à fêter le 1er décembre. Jacques Mounemi, tu es mon panon? Ouais, Sangai Wab. Oui. Tu peux nous souhaiter meilleurs vœux en Tiluba? C'est les saviez-vous, peut-être que toi tu sais. Mais seulement les saviez-vous, c'est en français. Non, mais peut-être, est-ce que ton champ d'action se limite seulement au français, Jacques Mounemi? Tu es limité à tes points? Tu es limité à ces points? Nous, en Kiyombe. En Kiyombe pour dire bonne année. On dit Boanana. Voilà. Bon. On dit Boanana. Jacques Mounemi. Jacques Mounemi. Vas-y. Sangai Wab. C'est sûr. Boulou, Boulou, tu confirmes? Je suis pas de l'eau, Boulou. C'est une salutation. Salutation. Mais seulement, je reviendrai ici lundi okay. Avec mes voeux le meilleur pour souhaiter meilleur V en Chilouba. Okay. Quand tu vas apprendre. Ouais, je vais apprendre. Mais il faudrait que tu puisses plus étendre les saviez-vous peut-être voilà. Avec les autres langues parce qu'avec le français, on constate à ces jours que tu es limité. J'ai ma Boulou, merci. Jacques Mounemi. Bon, avant tout, j'aimerais bien souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman, la mère d'un ami. Ah, voilà. On pensait que c'était maman de ce matin. Heureux anniversaire à toi, ma maman chérie, maman Dorothée Kaïba, femme de valeur, la mère de mon ami Elton Nkunaï. Heureux anniversaire, maman. Merci. Voilà, aujourd'hui, on parle de pendiculation. Pendiculation. J'avais un autre mot. En arrivant, j'ai remarqué la fatigue inspiré Jumain Bolumbu, je me suis dit donc on doit parler de la pendiculation. Ok, merci pour cette attention. Voilà. Sans plus tarder, pendiculation, noté P A N D I C U pendiculation U L A T I O N. Pendiculation, c'est un mouvement associé au bâillement caractérisé par un étirement généralisé par les muscles. Alors, pendiculation, c'est lorsqu'on fait. C'est ça la pendiculation. Et pour les animaux. Et les bâillements alors, Jacques? Les bâillements. Voilà. Pendulation, d'accord. Au bâillement. Aux hominiolissa. Voilà, c'est en lingala quand même. Aux hominiolissa. Mais quand il s'agit des animaux, on parle de perpendiculation. Parce que ce sont des membres antérieurs et postérieurs qui sont en mouvement. Ok. Voilà. Intéressant. Ouf. Merci beaucoup, Jacques. Je vous en prie. Alors, et en lingala, c'est kominyolisa. J'ai quand même élargi les champs. Les champs, voilà. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Okay. Surtout que j'étais soufflée. J'étais soufflée ces mots-là. Aujourd'hui, il n'y a pas la guerre entre nous. Surtout que tu avais porté mon sachet. Voilà, hier. Quand même. Ah. Non, mais apparemment, ça t'a marqué. Tu aimes les petites attentions, Jemma Bolumbu. Mais c'est généralement les petites attentions de c'est... la part de Jacques. C'est son côté faible. Non. Son côté faible. Non. Zombie Tata. Bien que nous sommes à la télé, mais on s'adresse à Esther Pinda. Non, c'est pas mon côté faible. C'est pas mon côté faible qui te l'a dit. Okay. C'est pas ça. Ok. Je pensais que ton langage d'amour, c'était ça, les petites attentions, les petits gestes. Non, Jacques connaît mon langage d'amour. Ah. Il a fait faible. Semblant. Okay. C'est pas les petites attentions. Tu sais par cœur mon langage d'amour. C'est compliqué, c'est complexe là. Pourquoi il va savoir? Il sait pourquoi il doit savoir. Bon, passons à la suite parce que là. Merci beaucoup, Jacques Mounemi. Je vous en prie, Esther. Alors, c'en est fini pour cette première partie de l'émission. Suivant ces cas, et c'était pour faire plaisir à Pellegras. Pellegra et Kwele qui fête aujourd'hui son anniversaire et le souhait lui est adressé de la part de Kim Mukendi. Heureux anniversaire, tout neveu de bonheur, va plus loin, que les seigneurs étendent tes limites. Alors, nous avons une information que nous n'avons cessé de relayer depuis quelques jours maintenant. Au 10 avenue Myriel, dans la commune de La Gombe, la boutique Marie Inc.
ouvre ses portes. Alors, vous voudrez vivre une expérience unique, vous êtes désireux justement de passer un bon moment avec un service aux petits soins pour vous, un salon privé, des stylistes à votre disposition, une livraison à domicile, bref, le wax, comme vous l'avez jamais vécu, nous vous invitons à venir passer ce bon moment lors de la cérémonie d'ouverture de cette boutique. Et une information en plus, il y aura un mini défilé ce 3 décembre déjà, comme je venais de l'annoncer, avec la participation de Hope Création, Le Brun, Bangala et Grâce Couture. Bienvenue à vous, 10 avenue Myriel, ce 3 décembre. Alors, aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous allons le découvrir tout de suite après cet élément. De quoi nous allons parler, comme je le disais tantôt, ben aujourd'hui le sujet pour finir la semaine en beauté, les hommes, on demande un peu trop aux femmes quand même, hein? Vous trouvez pas? C'est autour de la question que nous allons échanger. Les hommes, on demande un peu trop aux femmes? Mariam Abba, d'accord ou pas d'accord? D'accord. D'accord, ok. Mmh. J'ai mon bon nombre. D'accord ou pas d'accord? Facultatif, indispensable. Facultatif, indispensable. J'ai mon bon nombre. En tu disais d'accord ou pas d'accord? Bon. Coussi, coussa. Des fois, oui, des fois, non. D'accord. D'accord, ok. Jacques Mnène. Ça dépend. Ça dépend. Mais d'accord ou pas d'accord? Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord? Les hommes ne demandent tout à pas. Fait. Pas tout à fait. Donc, pas non, tout à fait, c'est pas vrai, pas dire d'accord. Ça dépend. Et ça, ça réponse déjà. Il y a moi, non. Oh, je pense que tu assumes, tu confirmes déjà par tes réponses quand même. Ça dépend. Ça dépend. La plupart des hommes demandent. C'est comme si on te disait oui ou non. D'accord ou pas d'accord? D'accord quand même. Non, Paulo, pas d'accord. La plupart des hommes demandent plus, mais ça dépend. C'est-à-dire bosser en rapport. Si on suit la voix de la majorité, on dira d'accord. D'accord. Pardon. Nous sommes tous d'accord. Jacques Mounen est d'accord que les hommes demandent plus, donc c'est déjà chouette. Ah oui, et bien mon coup. Ah oui. D'après vous, Mariam Abba, qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on voudrait parler de ce sujet? Les hommes en demandent un peu trop. Ils sont trop exigeants. Mm-hmm. Trop. Je dirais même trop exigeants. Il y a une fois, je me suis dit, je suis en train de parler avec des copines. Abi, pourquoi est-ce qu'on a quand même Bon, c'est vrai qu'on parle de la parité, c'est à un certain niveau, pas dans tous les niveaux de la vie. Mais moi, je serais prête à peut-être abandonner mon travail parce qu'il faut aller là. Mais hier, à cause de là, il y aura toujours des raisons. Il y aura, les hommes sont très exigeants. Bah, pourquoi la parité ne doit pas s'effectuer à tous les niveaux de la vie? Jacques Néné. C'est Esther Pinda qui a la police débat. Alors, Barra, il faut faire très attention sur ces plateaux, genre un bête au coup d'état un de matin. Ne t'inquiétez pas, c'est la préférée du maraîchage. Je t'ai dit. La préférée du maréchal. On n'a jamais plus envie, papa. Barra, Barra, je suis allé maréchal. Ce que t'étais en train de dire. Oui, la question de Jacques. Bon, parce que bon, on ne peut pas avoir la parité dans tous les niveaux de la vie, par exemple. Dans le niveau professionnel, oui, mais pas dans le ménage. Et quand je parle du boulot, c'est dans le milieu professionnel. Alors, moi, je disais, ça dépend. Pourquoi? Parce que certains hommes demandent plus à leurs femmes parce que la vie nous demande déjà beaucoup, nous, les hommes. La vie nous demande beaucoup. C'est pour ça que je posais la question à Maria. Pourquoi la parité ne devrait pas s'effectuer à tous les niveaux de la vie? Parce que moi, je te demande un peu plus parce que la vie me demande plus. Moi, parce que la vie ne me demande pas plus. Non, pas comme moi. Jacques, pas comme toi. Ouais. Tu ne vas pas dire pas comme toi. Mmh. Parce que à nous tous, on demande plus. Il y a un côté où c'est penchant. Mais et pourquoi un peu... la parité n'est pas... Attends. Cette thématique n'est pas liée directement à la parité. Chez les hommes, on trouvera ces côtés où on demande un peu plus et chez les femmes également. Je dirais que c'est ces côtés un peu aussi égoïstes. Hein. Parce que Olobaka, pourquoi elle ne peut pas faire ça pour moi? Bon, Yupé, pourquoi tu ne peux pas faire ça pour elle? Même au monde à Batumusu, dans le couple. Donc, cette personne-là ou cette femme-là, on est dans l'obligation de te dire tous ces
ce qu'elle fait, bah, geste n'aïe. Mais il y a l'homme à l'obarater. Bon, l'obarater, pourquoi? Bon, toi, tu es dans l'obligation de faire. Obligation ou t'es l'ouapi? Je pense que c'est cette dose-là, d'un peu, hein, moi, égoïsme, m'dambo. Non, toi, tu peux pas faire ça pour moi. Bon, si le lopo make au salon, pour moi, ça va t'échanger quoi. Jacques Mounené, parlons un tout petit peu seulement de cette parité. Ne pensez-vous pas que hommes comme femmes avons tous les mêmes droits? Parce que c'est justement ça que la parité prône. On a tous les mêmes droits, mais on peut bien remarquer dans notre société, même lors de nominations, ben moi, sincèrement, je dois le dire, on a bien remarqué vraiment par ces régimes, tu sais qu'elle dit, qu'on tient vraiment compte de la représentation féminine. Mais avant, et parfois on s'est demandé, mais pourquoi bah, ça la bagarre fait bébé? Est-ce que c'est parce que la femme n'est pas... Excusez-moi, c'est pas ça les débats. Est-ce que c'est parce que la femme n'est pas... La question c'est, est-ce que hommes comme femmes, oui. On va dire en termes de droits, on a tous les mêmes droits. Merci. Maria Maba, pouvez-vous nous lister un tout petit peu ces choses qui sont un peu de trop? Que l'on demande, qui s'enchaîne, et puis on dit finalement, ça va. Non, par exemple, parce que j'ai m'a dit, on est dans une relation amoureuse et tout, même dans le mariage. Moi, j'ai le droit, donc même si la question va allumer dans quoi, je t'écris, la question va allumer dans quoi. Alors que c'est mon si, quand tu me dis, dans ce qui awa, puis les hommes ne donnent pas assez de détails là, justement, sur leur parcours, c'est parce que ton homme n'est pas sincère. Je parle pas de moi. C'est toi, l'homme là n'est pas sincère. Je parle d'un cas général. Je ne personnalise pas. C'est pour ça que j'avais dit la plupart. Voilà. Donc, la plupart des hommes, bah, ça leur a trop tenu à leur détail. Non, vraiment, bah, ça, qui est pour les bisous que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et même des hommes, par exemple, yo, moi, c'est au salaire, na yo. Aïe, bien, de 0 dollar, tu sais, dollar à souk. Mais il faut, gymnastique, belé. Et aussi, dans d'autres cas, la femme est vraiment obligée, des fois, arrêter de travailler. Peut-être pas s'occuper de telle chose. Alors peut-être l'homme aussi pouvait le faire. Mais Jacques Néné, on saura, j'ai ma Bolombo, à moins que vous ayez un autre complément par rapport à ces choses que l'on demande un peu de trop. Bon, on va dire qu'il y a tellement beaucoup de choses, mais je pense que chaque personne a un cas encore particulier ou à Koutaninango. Déjà, avec ce que Maria venait de lister, les non-détails de la part des hommes englobent la somme de tout. Merci beaucoup, Jacques Néné. Maquille-toi, mais pas trop. Sois belle, mais pas attirante pour les autres. Prends du poids. Prends du poids, mais n'explose pas non plus. Je veux que tu sois, que tu aies des formes et ventre plat quand même. On y va, hein, c'est pas encore fini. Tu dois être tendance, mais me demande pas beaucoup d'argent, s'il te plaît. Je veux que tu sois belle, mais. Je veux que tu sois comme celle qui est sur TikTok là. Mais l'argent pour ça là. J'en ai pas. Mais sois-le quand même. Occupe-toi des enfants, occupe-toi du ménage, des assiettes, nourriture et tout ça. Les enfants doivent réussir. Ça aussi, c'est sur ta tête. Va t'occuper de ma maman là qui est à la maison. Et puis reviens ici, occupe-toi de moi. Quand tu finis tout ça, tu dois me servir, tu dois me masser les pieds, tu dois me masser la tête, tu dois prendre soin de mes ongles et ainsi de suite. Et puis, avec la somme de tout ça, travaille aussi quand même parce que Mikolo, il faut demain. L'époque coloniale, Jacques Néné, est-ce que c'est pas un peu de trop? Alors, moi, je dirais il faut se mettre à jour. Okay. Simplement, il faut se mettre à jour. Quand tu veux que moi, c'est ça, il faut aller en mesure yaro aider à ça. Parce que même la Bible nous dit que la femme est une aide pour l'homme. Quand c'est une aide pour l'homme, c'est qu'il y ait hasard pour ajouter le roman aux anakazo complété. Donc, soit complété, hasard juste une partie, il y a oyo aux anakazo. Peut-être c'est la société par laquelle autokoleli même tu l'as dit que moi six câble. Et déjà je n'ai jamais entendu parler homme au foyer. Et bien que vous allez à la messe, et ça un peu pas péjoratif, mais dans d'autres pays. Dans d'autres pays, voilà. Mais dans notre société, lorsqu'on parle d'une femme au foyer, voilà, quand on parle d'une Mario. Azigolo. Non, bah, Azigolo, ils ne sont pas des hommes, mon frère. Té, à cause de la bobala, il y a Bino. Vu que, à partir du moment où moi, tu sais qu'il y a ça, là, Bobali, à Babala, il y a un homme au foyer. À comment on fait au foyer, mais on va venir à Marie. Justement, société, école ici, Bisso, il y a que ça, Bisso, qui fait mon foyer à ça, là, telle chose. Azana, c'est Zilo, Simba, Obo, Simba, Mobali, on voit aujourd'hui
mobali ebi ke so to lié fona edimo si nanga osani be ngana ki ona na sali le si vite fait aba mbe le ko ba biso na sali le si na sali le si vite fait. Donc justement il faut se mettre à jour. Donc ba biso on déjà ça ça là déjà yo bali to yo ko ba bino merci. Il faut se mettre à jour. Oui, qui veut dire se mettre à jour? Quand tu dis à ta femme, il ne faut pas se maquiller. Et ça peut être préférence, na yo. Mais au lingaté, moi sinon, dans la tendance moro archaïque, moi sinon, la robe, il faut non rakena la vrenzele. Alors pour nous, rakena la vrenzele, il faut azala à jour. Qui veut dire à jour? Elle doit être présentable. Ce gars est mouné, il ne faut pas comment pas tapouf. Pour zapper ma préférence, na la. Ndepe na zaboué, elle voudra que non, zala boué, zala boué, zala na coiffure. Zala na boué, zala na boué, zala boué. Voilà. Jacques Mounene, Gemma Bolombo, est-ce qu'il y a quand même, on va dire, des limites? Ça n'est pas outrepassé. Les limites existent dans toute chose, Esther. Les limites existent dans toute chose. Donc, on peut quand même accepter, oui, de faire toutes ces choses-là, mais après... Il y a un point où... Mais ça dépend de ce que tu acceptes. Mm-hmm. Parce que les limites prenons sont dans des volets. Limites où est-ce qu'on permet et où est-ce qu'on a accepté. Les limites où est-ce qu'il y a des limites où on a accepté. Oui, voilà. Comme dépasser. Dépasser n'a des mots exagérés. Mais à ces jours, maintenant, on voit, on constate même où on remarque que il y a des ces hommes où, comme tu le dis souvent, ils poussent les femmes à outrepasser les limites. Ils sont tellement exigeants, comme Marie le disait au début. Oh, moutoye, ben, souté, net na, na souka wapi. Souté. Tellement tu. Papa, na se na pe pour na respirer. Bon, na nyo soit na pe, soumission oblige. Si kou na yo ba tes limites, on en sou qui la net côté nini. Donc, tu sens l'exigence à outrance. Oh, oye, ben, souté, bon, ah, penda. Silence, toi, mais donne-moi ton avis quand même. Bah, c'est invité. En termes même de ces limites, aux limites, au yachelio. Silence, c'est toi. Silence, si tu donnes pas ton avis, on reviendra te dire. Mais tu t'es là. Pourquoi tu n'as pas dit tu as donné ton avis, mais c'est comme si mon bateau bazalaka. J'ai décidé ça. Je t'ai dit, mais je t'ai dit pas, tu en dis quoi? Donc silence, c'est ton cache. C'est pour ça que je disais, il faut se mettre à jour. Même lorsqu'on parle de cette soumission-là, cette soumission ressort du vrai amour et des affinités entre hommes et femmes. Donc même lorsque je dois imposer, je dois te proposer. Mais pourquoi si le lot si vous pose, savez quoi non non c'est une stratégie on a vraiment besoin d'un Oscar. J'ai dit on a proposé on a bandi qu'on l'a dit que t'as la mousse ça et ça comment on peut s'en avis on a vu les raconter parce que déjà la boule na yo tu avais déjà une idée derrière la tête donc on a informé la femme. C'est une manière de parler qui veut dire que la stratégie n'a pas pour convaincre yo dans ça on a quatre c'est qu'on a pensé après sa vie na yo en réalité la vie ne compte pas. C'est contradictoire. Non, Jacques. Écoutez, tu t'es contredit. C'est peut-être ma manière de parler. On a besoin que témoin si n'a moins de monsieur. Ah ça, mais quand même naïe, n'a pas de talent sur la piste. Pour nous convaincre, si je n'arrive pas à te convaincre, toi arriver. Pourquoi les hommes ils s'étonnent toujours en demandent-ils trop aux femmes parce qu'ils pensent que ce sont des super girls et puis elle va y arriver parce qu'ils se disent que de toutes les manières hein parce qu'ils minimisent un peu ces tâches là oui. Voilà c'est une que la vaisselle peut le faire rapidement c'est mieux que quand même hein. Bon, moi je dirais peut-être après tout tu es une femme après tout tu sers à quoi dans cette maison là même pourquoi l'homme paye la dot. Chaque on doit aussi se demander. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis, ils ont la société Oyo Tokolé. Ils ont Moutoumoussous, Arabali Moissi, Amonique, tu es Kassayen. Moutoumoussous, Arabali Moissi, Amonique, Nassombié Loko. Et la société Oyo Tokolé. Moi, je demande juste qu'on se mette à jour. Et toi, se mettre à jour, toi, qui m'a ramené à évoluer. Et on a joué, on a pas mais à combien le roman où était au hasard ce qui de base, oui. De base, la dot n'était pas un achat ou non, la dot la mise était comme on d'ailleurs, je crois un professeur à l'IFAC, il a parlé, c'était un peu à comme l'échelle où l'on constate une la dot, peut-être l'ancienne mise à jour, la dot était aujourd'hui. Une compensation dans le sens où cette femme dans sa famille elle servait de main d'œuvre.
Elle soutenait au ménage, elle soutenait dans le champ et ainsi de suite. Aujourd'hui, elle se marie, elle devient une force pour l'autre famille. Oui. C'était un peu comme une compensation pour l'autre famille. Mais cette compensation, disons, tu vas soutenir. Mais aussi, c'est juste un symbole. Mais au jour d'aujourd'hui, rien d'être une compensation, rien d'être tout ça, c'est juste... C'est juste un symbole, ce sont des coutumes que nous sommes en train de perpétuer. C'est ça que je dis. Maintenant, le problème se trouve au niveau de la compréhension. Comment arracher une bonne compréhension par nos actes ou bien par nos us et coutumes? La question était déjà menée. Pourquoi les hommes en demandent-ils trop? Est-ce que parce qu'ils pensent que ma femme, elle en est tout à fait capable, c'est une super girl, elle va y arriver? C'est la société, c'est notre société qui l'a définie par nos us et coutumes. Ils minimisent un peu ces tâches-là que l'on confie. C'est ça que je dis, c'est notre société qui l'a définie par nos us et coutumes. Donc, un an à moi, si n'a pas de 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 moi, mais j'ai dit par pourtant, à sa partenaire, à sa associée, tout ce qu'elle fait, on a peine à me ça. En parlant de pourquoi les hommes en demandent plus aux femmes, je sais pas, c'est un échange. Je n'arrive pas à cerner. Bon, on a un homme avec nous sur ces plateaux, qu'est-ce qui fait que vous ayez, on va dire, ce genre d'imposition. Parce que tu sais, déjà, bon, je suis soumise à toi. Est-ce que c'est de la peur? Pour Yébi que, par exemple, dans les familles, il y a un mot, Yébi que, au lait, tu as un lait qui n'a pas. Et moi, étant Yéan, on a un droit à l'économie. Moi, il y a un azoling à quoi s'imposer. Dans les cas des hommes, c'est quoi qui anime ce genre de réaction? Personnellement, dans la relation, je ne m'impose pas. Tout se passe de manière automatique. C'est pour ça que je dis même cette soumission. Pourquoi pour toi, vu que nous parlons je de suis un homme, voilà. Il parle de la généralité. De la généralité, ce qui doit se faire normalement. Parce qu'on parle de la soumission. La soumission, cette soumission, elle sort de l'amour. Un amour sincère. Et dans l'amour sincère, il y a la transparence. La transparence qui veut dire que même mouvement dans l'année, je dois te le dire. Tu es où je suis au plateau? Tu es où non, ça abri. C'est pas seulement à la femme de dire ça à son homme. Donc, de bon, manière... les femmes aussi, là, nous, on aime bien les détails. Quand je raconte mon histoire, là, je dis le moindre détail. Jacques a dit que tu es où? Non, les hommes peut-être attendent qu'on leur demande quoi répondre. Maintenant que les femmes, tu n'as pas besoin qu'on te demande. Yo, quand tu finis, est-ce que les femmes, toutes ces choses que l'on demande aux femmes, est-ce qu'elles ne sont pas capables de les assumer? Les hommes. Est-ce que les femmes, justement, est-ce que c'est des trop? Est-ce que c'est des trop parce qu'elles ne sont pas capables de les assumer ou c'est de trop parce qu'aujourd'hui, justement, le monde a changé. Autant l'homme va peut-être au travail, la femme aussi. Et est-ce que c'est des trop aussi parce que cette femme, justement, elle n'est pas venue peut-être dans cette relation-là seule. Elle a besoin d'être épaulée, elle a besoin de se sentir soutenue. Ses enfants n'ont pas été faits par une seule personne. Justement, tu vois, il y a ma mère qui des fois quand on parle, elle dit bah maman est kala ou mon abandonna qui avant que ma papa parce qu'elles avaient trop de charges sur elle, trop même yemoko aki bilanga azongi alisa ceci mon bilanga retard aya lambi bilo kilo puis bala de ma papa ça t'es pas là. Papa mdusu, il vient du boulot, il finit, il vient peut-être, il peut aussi aider les enfants à faire les TP, mais non maman tu yom tu fais du kebab et tout. Les femmes sont capables. Je pense aujourd'hui, on a évolué, tu travailles, je travaille et tout. Moi, la révolution, on compte Bisson, on tout et tout pour dire non, on est égaux devant la loi, nous sommes vraiment égaux. Alors, il faudrait peut-être que ce que je fais, que tu les fasses. Mais à un moment, ça déborde. On dit, on me regarde trop, jusqu'à ce qu'on se dise, tu peux aussi le faire. Pourquoi est-ce que nous avons ça? Tout ceci, on a l'ambi, on a un salé, et tout. Même, moi, ma tasse, mais elle est qui et tout. Tu peux pas m'aider s'il te plaît, Ina qui tu es là peut-être sur le week-end, qui moto. Mais ce n'est pas que vraiment. Tu vois même un enseignant, Yomoro Olo, s'il te plaît, n'aki bomoto. Pourquoi? C'est pas que l'enseignant, moi je l'enseigne en moto, mais dans mon thème, on a la soumou, parce qu'on a ah. Est-ce que vraiment, tel qu'il est là, il est en train de regarder, attends là, mondial, est-ce que vraiment, il ne peut pas rater peut-être 10 minutes, il y a match, il ne peut pas rater la nouvelle saison. Ah, tel atta mondial, au Vandina Pani, vous aurez passé. Par exemple. Au Tiki n'a qu'on repassé. Donc, non seulement dans mon con, on est pas si pour la. Allez, n'a qu'on repassé, tu peux le faire en regardant la télé. Mesdames. J'aime ma volume, vous voulez savoir de toutes les manières. Il y a mon l'homme là, Zui, Armalobi, oh les mains, tu le fais ou je te tue. Non. En réalité, c'est quoi
est-ce, il n'y a pas une obligation directe dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui fait que les femmes, elles accumulent tout ça là? Je dirais, tu vois, même quand la Bible sans, dit... Il y a même des celles qui accumulent sans rechigner, sans chercher un peu d'aide, sans même faire comprendre à cette personne-là, « Ok, je vais faire, c'est ma responsabilité, oui, mais on peut se le permettre, trouve-moi peut-être une aide ménagère, qui se dit, on va jouer au girl power. » Bon, des fois, si on n'est pas là à couteau tiré ou bien à faire, « Bon, tu fais ceci, j'ai fait cela », c'est juste pour préserver la paix. Tu vas constater que même dans plusieurs relations, il y a des gens qui sont en tort. Mais les gens qui sont en tort, ils sont en tort. Ils sont en tort. Oui, je sais que tu ne vas, vas pas braquer une arme sur moi. Je sais que tu ne vas pas taper dessus. Mais je le fais quand même pour préserver la paix. Les femmes, aujourd'hui, elles sont un peu complices de ce qui se passe. Non. Nous l'avons dit tantôt, fais attention à ce que tu acceptes. Tu enseignes aux gens comment te traiter. Bon. Ça veut dire qu'à force d'accepter les choses à petite gestelle, le grand frère à qui tu n'as pas mené, peut-être pas poliment, montrer que là tu avais tort, il continue avec sa femme, il commence à refaire la même chose. Est-ce que ce ne sont pas les femmes les complices? On va dire que, vu que nous parlons de la généralité, c'est un caractère inné que l'on retrouve chez chaque homme. Je ne suis pas encore mariée, mais j'ai vécu avec mon grand frère et plusieurs autres et cousins. Ton chéri aussi. Bon, même si on va dire que j'ai salué en passant. Alors, les futurs. Bon, on va dire que c'est la généralité. Qui peut-être téléspectateurs de besoin. Ah, qui sait. Les mots. Bon, je disais, c'est un caractère inné. Il y a mon beau-frère, le mari de ma soeur, Patrick Mzomba, que j'ai salué en passant, qui me disait... Le coach. Oui, le coach, papa Naétan. Il me disait l'autre fois, Jemima, quand on se marie, on peut prendre les 60% sur 100. Et puis on prend les défauts. Les défauts, on est là qui signe. On épouse derrière les défauts. Autant déjà que 60%, c'est un boutique, 40%. Ah, les défauts, on est là qui... par exemple un comportement bon, lui il n'est pas trop serviable, lui il n'est pas, maintenant tu pèses, est-ce que je pourrais vivre avec ça, parce que c'est un truc qui ne changera jamais. Oui. D'autant il y a le jour et la nuit, d'autant il y a ces comportements là ancrés en eux. Donc on dit que oyo échange été, du coup on peut beau faire conférence, on peut beau faire révolte, on là, peut c'est beau pour faire... les hommes comme pour les femmes, oui, pour les hommes comme pour les femmes. Oui. On peut beau faire parité, cela ne changera pas. Donc on vit avec, mais étant humain, na sens à qui bon moto, tu saignes li akani saratali que non. C'est pas une mauvaise habitude. Et comme une habitude, tu aimes que tu vas pas faire ça, je préserve la paix. C'est pas que Naza complice, mais c'est une nature qui est. Êtes-vous d'accord? Je reviens vers vous, Jacques. Ce n'est pas une complicité, mais c'est une nature. Jemma Bolumbu, quand elle dit que toutes les tentatives de la femme, alors dans le sens de déroger ces mauvaises habitudes-là, sont en réalité. N'auront pas d'effet, alors qu'on se rend compte, avant les femmes n'avaient pas le droit de vote, alors maintenant les femmes n'avaient pas le droit d'être élues. Aujourd'hui on voit des femmes qui sont justement élues. Avant, les femmes ne conduisaient pas, n'avaient pas le droit de travailler. Aujourd'hui elles le font. Aujourd'hui on se rend compte que quand même il y a une certaine évolution, il y a un pas qui se fait. Aujourd'hui, on a quelqu'un comme Jacques Néné. On sait le dire, on l'appelle même Iforchi, parce que quelque part, on voit ces dispositions-là, pas... Il a encore les trucs des loups qu'il faut traiter, mais quand même, on voit certaines dispositions. On reconnaît, on se dit que c'est quelqu'un quand même qui est prêt à accompagner la femme, qui a au fait laissé certains stéréotypes d'autrefois. Moi, je pense que si peut-être on essaie d'insister, peut-être que ça va changer. Ça dépend de cas où on insiste. Ça dépend aussi de choses. C'est Mariamaba qui parle. Excusez-nous, on court derrière le temps. Ça dépend de cas. Mariamaba, moi, par exemple, il y a un truc. Hein, à la maison, on te débat avec maman pour ça. Moi, je vais le dire très clairement. Je me dis, pourquoi est-ce que les hommes, quand ils sont célibataires, ils vont se doucher, ils lavent leurs boxeurs avec eux? Mais pourquoi c'est quand il se marie, c'est la femme qui doit laver les boxeurs? Je suis bébé quand même, je suis bébé. Quelle est la différence? Bébé éternel. Différence des autres, quand il était seul, il pouvait le faire. Le temps, quand il se marie, il peut le faire. Moi, mon père le faisait. Il le disait, moi, je n'ai pas à dire à ma femme, « Sucre la boxeur, on a mal. » Non, quand j'étais célibataire, je le faisais. Et même quand je suis mariée, je vais le faire. Mais il y a des choses comme ça, quand on essaie d'en parler aux hommes, « Non, Nabali. » Non, il y en a de ceux qui se marient pour « Alembi Kosukwabi. » Alors,
contradiction que ma dingue écoute est semblable. Donc, dingue aux dingue là. Comme je m'en dis, dans ces cas, même si on fait de ma conférence, ça risque de ne pas changer. Parce que, écoute, on a mis toi tellement que même si on a bossé dans l'atelier, ma conférence, les hommes seront toujours non. Il faut les faire. Alors, moi, je disais. Je pardonne. Esther, pardonne. Il y a même une maman qui a dit donc, il y a des caractères où on a intéressés aux hommes. Ce sont des caractères innés. Ce qui est inné et naturel. Ce sont les hommes, quand je dis hommes, un grand H, les hommes qui définissent la société. Tout le monde a dit, toilette en confinement, ah, bah, jour, nous, ce bandeau, qu'on s'est ressemblé. Mais, bison, nous, tout comme ça, dimanche, ils allaient à l'arabe. De ça, yo, mon coup, pour enseigner à mon bal, après avoir, après le repas, s'il te plaît. Oui, c'est un indien qui est moto. Donc, soit aux zones, il y a un indien normal, boy. Moi, Sindé Moutou, il faut ça là. Qui a dit que la femme. D'après les règles définies par la société. Voilà, par la société. Qui nous a dit que la femme doit préparer à la maison? Yenne Moutou, il faut l'ambaka. Papa au travail, maman à la cuisine. Chanter au maternel. Chantonné par une dame qui elle-même travaille. Voilà. Et puis elle dit à la petite fille qui est aussi brillante que le petit garçon. C'est comme ça. Et alors, je demande seulement tous ces maîtres à jour. Parce que l'homme, c'est comme un logiciel. Un logiciel avec des données, avec des informations bien définies pour répondre aux questions de la société dans une époque bien définie. Dans une époque, oh, comme tu venais de le dire, moi c'est Bandor Kumbate, Bandor Sanité. Avec le temps, à combien Kumba, à combien tout le monde en haut sous ma bête. Mais hier, ils allaient peut-être sacrilège. Hier, tu pouvais qu'on dit maman bon. On voyait même dans nos villages que Papa Nda Okendeka a outil chasse, a une année, a tiki, maman ça là. Nyonso. Papa aussi m'a dit, mais maman m'a dit ça. Donc, les sociétés n'a pas de on trop sa faute, c'était dans mes balles. Les ndenge sociétés n'a pas de et alors, ma psychologue, attends, il y a bien à définir sur base de ce que tu peux faire. Batali Bobina âge à des zéros, à des hommes, on a la réaction telle pour Monique et Katina, ils sont invariables. Voilà. C'est pareil avec les hommes. Merci beaucoup. Alors, les choses également changent. Homme, là, j'ai dit en général, voilà. Avec un grand H. Les choses changent, les temps évoluent, justement, apprenons à évoluer avec notre temps, mais il faudrait aussi savoir que le changement se fait petit à petit, le changement s'est fait pas à pas. Autre chose très importante, il faudrait déjà de la genèse définir ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Il y a certaines femmes qui, pour le besoin justement de se marier, elles font semblant. Cet homme-là te dit qu'il veut d'une femme au foyer. Tu as même compris qu'il veut d'une femme au foyer. Toi, tu sais que tu ne sauras pas être une femme au foyer parce que justement, tes rêves ne sont pas ceux-là. Je parle de femme au foyer dans le sens de celle qui reste tout le temps à la maison. Tu peux être une femme au foyer, mais tu n'es pas tout le temps à la maison et tout. Donc, tu sais ça. Mais pour le besoin du mariage, tu souris, nous on va en parler dans le mariage, ça sera compliqué. De la jeunesse, je pense, autant on fait de tours, on visite les restos, on sourit, on fait de selfies, autant il faudrait s'arrêter et réfléchir sérieusement sur comment chacun voit le monde, sur comment chacun, la vision de la vie de chacun. Je crois que dès qu'on va s'entendre à ce niveau-là, on va arriver à combler, on va arriver à trouver, on va dire, un terrain d'entente. On pourra très bien marcher, sinon dans la suite, ça sera compliqué. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Énormément merci à vous, mesdames. Merci. Énormément merci à vous, monsieur. Énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision, Martin Bombo, Jemima Pantou, Jordi Kalonda, Chris Lembuka, Bestel Luka, Badjombuku. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt, donc la semaine prochaine. Bye bye.